Bon alors là on n'a plus qu'une heure pour faire la vidéo, hein, pour la monter, la foutre en ligne. Donc on n'a pas le temps de faire du green screen, des fausses pubs, des trucs de ouf. On a besoin d'une espèce de boost de dernière minute, faut vraiment qu'on fasse ça vite. Est-ce que quelqu'un a une idée? Eh hey, patron, moi je sais, j'ai une idée. Eh hey, patron, je sais moi. C'est Julien Chelouk de Gameblog. Je suis là pour vous présenter un moment historique. Historique, vous m'avez bien entendu, ouais. La conférence Sony, c'était de la boulette, c'était énorme. J'aimerais tout de même présenter mes hommages à Microsoft. Voilà, Microsoft, c'était pas mal, mais écoutez-moi bien, mes petits potes, que les choses soient claires. Hein. L'heure n'est pas au gâteau, voilà. Vous avez perdu, moi je vous le dis en cas de Dieu, comme ça, là. J'ai niqué des ratons laveurs pour moins que ça, donc va falloir mettre les bouchées doubles. Puis, c'est vraiment pas mal, hein, Los Angeles. Il y a des cheeseburgers, il y a des coca. Ouais, c'est super. Allez, on se retrouve dans la conférence. Allez, salut les gars. J'y vais à la nage. Alors là, tout de suite, c'était Dark Sorcerer. C'est de l'émotion, c'est comme un dorsal. Moi, j'étais comme un gamin devant ça. C'était énorme. Ensuite, pour parler de gamin, bah, y avait aussi Kingdom Hearts 3. C'est énorme. D'ailleurs, en fait, t'as vu? Tu sais pourquoi Mario Bros? Parce qu'il y a Mickey Mouse. C'est énorme. Voilà. T'en penses quoi, toi, Rand? Hein, t'as vu quoi? Moi j'ai kiffé Assassin's Creed Black Flag. Ouais, c'est pas un jeu de PD, on va pas se mentir. Babouliner contre les pirates, c'est énorme. Après j'ai kiffé aussi FF versus 13. Bon, c'est plus ça le nom, hein, ils ont changé. C'est devenu FF15. Ouais, c'est mieux, hein. C'est mieux 15, ça fait plus sérieux. Je trouve c'est plus cher que gratuit, ouais, ça passe tout seul. Ah, mais c'est super. Bon, allez, retour au studio, c'était super, c'était le 3. Allez, salut. Allez, salut. T'es sérieux, Lady? Bah, quoi, c'est bon, ça arrive à tout le monde, hein. Dans la vie, je suis journaliste et tenir le coup, c'est difficile. Alors tous les matins, avec mon Actimel, je prends un bol de Doritos. Ah, mais comme il y a eu un truc de stylé dans la conférence, c'est The Order, vous êtes d'accord? Bah non, moi je dormais là. Maintenant que tu le dis, je crois que moi aussi je dormais à ce moment-là en fait. Et The Order, à un moment, il y a une calèche qui arrive, et là, il y a un avion. Le mec, il se retourne comme ça. Et après, il y a des flingues, ta-ta-ta-ta-ta-ta, partout. T'es sérieux là? Eh, vous avez vu là? Ce que je vois sur Twitter, c'est énorme. Tu peux prêter tes jeux sur PS4. Ce que tu peux bavard sur Xbox One, c'est 100 fois mieux quand même. Ouais. Il y a même un truc que fait la Xbox One et que la PS4 va faire. Maintenant, ils vont te faire payer le multijoueur. Ah ouais, ça c'est cool. Eh, ils ont enfin présenté la console. C'est comme une Xbox One, mais ils ont mis du vide au milieu. C'est de la merde un peu. Tu dis ça parce que t'as pas vu la nouvelle Freebox Coquillette Edition.